rasé et sépulture récente. Ce doit être ici. Un rassemblement. On a mal choisi notre moment. Il n'y a jamais de bon moment pour parler de la chasse sauvage. Puis, Anne, à peine trois pleurs. Et les voilà six pieds sous terre. S'il ne nous avait pas abandonnés, mais... Moi, je suis toujours là. On ne parle plus de lui. C'était notre... C'était peut-être écrit dans les étoiles. On attaquait les escadrons noirs ensemble. L'herbe a poussé sur le terrain de nos intrigues. C'est eux qui ont attaqué. C'est une sorte de rituel. Il va falloir patienter. C'est hors de question. Très chère sœur, veuillez pardonner l'intrusion, mais nous avons un sujet d'importance à aborder. Vous ne voyez pas que nous honorons les défunts ? Enfin... Nous cherchons à nous entretenir avec des vivants. De grâce, c'est urgent. Très bien. Parlez. On prétend que c'est la chasse sauvage qui a ravagé ce village. C'est vrai. Même si bien peu y croient. Vous non plus, j'imagine. Vous avez vu des cavaliers sur des chevaux squelettes ? Des armures couvertes de givre ? Oui, c'était bien eux. Ils ont touché terre à bord d'un navire fait de griffes de défunts, comme dans les ballades. Lef a crié d'abriter les petits. Puis ils sont arrivés et l'ont frappé au visage. Il a essayé de parler, mais seul du sang est sorti. Vous étiez censé poser une question, pas 15. Il suffit. Qu'est-il arrivé ensuite ? Poursuivez. J'ai couru, trouvé de l'aide et des lèvres, mais tous est mort. Yol, Inva, petite Nick. Par où sont partis les cavaliers ? Vers la mer, par la ravine, sur leurs chevaux d'os, d'os et de glace. Et... Ça suffit. Venez-en, en fait. Nous cherchons une jeune femme dénommée Ciri. Je veux cendrer, les yeux verts. Je regrette, elle n'est pas ici. À moins de figurer parmi les victimes. Ce nom ne me dit rien, mais nous en avons enterré tellement. J'ai pu oublier. Cette Ciri, a-t-elle une cicatrice, ici, sur la joue ? Oui, oui. Que lui est-il arrivé ? Je l'ignore. Je l'ai vue brièvement peu avant... Enfin, avant tout ça. Elle était à l'écurie avec... le vœu. Puissent les dieux le maudire 100 fois ! Vous vous souvenez d'autre chose ? N'importe quoi ? Seulement qu'elle semblait très fatiguée et qu'elle avait les cheveux mouillés. Parfait. On sait donc qu'elle a pris un bain. On progresse. Désolée. Est-ce qu'elle... Le vœu. Mes excuses. Le vœu. Il aurait pu vous en dire plus. Ce fameux vœu, il a un vrai nom ? Il en avait un. Jusqu'à ce que les anciens invoquent la saga des ancêtres. C'est comme s'il avait cessé d'exister. La loi interdit à quiconque de le toucher, de lui parler, et même de prononcer son nom. Qu'a-t-il fait pour mériter ça ? Il a fui la chasse sauvage. Lui seul. Nous devons lui parler, même si c'est contraire à vos coutumes. Vous arrivez trop tard. Il est allé au jardin, combattre Morgvar. Morgvarg ? Qui est-ce ? Qui était-ce, plutôt ?
le plus infâme individu de l'histoire de Skellige. À ses yeux, rien n'était sacré. Il s'en est pris aux terres de son propre clan, a empoché l'or de Nilfgaard, tué des enfants, des femmes enceintes. Je vois le genre. On affirme qu'il ne craignait qu'une chose, le courroux des dieux. Aussi, Morkvarg a-t-il cherché à les mettre en défaut. Il a mis le cap sur Yggdrasil pour aller piller le jardin de la déesse. C'était il y a plus de 10 ans. La grande prêtresse Ulve lui barrant la route, il l'a passée au fil de l'épée et l'a jetée dans la peau. Dans son agonie, elle l'a maudit. Et Morkvarg s'est changé en bête. Monstre, malédiction, c'est ton rayon. Je peux vous débarrasser de Morkvarg. J'ignore sa nature exacte, mais une épée en argent devrait faire l'affaire. Ce n'est pas si simple. Plusieurs ont déjà eu raison de Morkvarg. Mais il revient toujours. C'est donc une malédiction complexe. Il me faut davantage d'informations. Je comprends. Mais je n'en sais pas plus. Adressez-vous à Thordar, fils d'Enar. Il était au jardin quand Morkvarg et ses sbires ont attaqué. Il a tout vu. De tous les pèlerins présents, lui seul a réussi à sauver sa peau. Il s'est installé à Larvik. Vous devriez le trouver au débarcadère, sauf s'il est reparti en mer. Où est ce jardin sacré? Non loin d'ici, au nord. Autrefois, on y cultivait des herbes médicinales. Et maintenant? On ne dépasse pas l'arbre planté par la déesse. On place nos offrandes et on prie devant lui. Ceux qui se risquent à descendre restent au jardin à jamais. Un lâche qui court au-devant du danger. Suis-je le seul à y voir une contradiction? C'est bien ce qui l'a poussé à agir. En tuant Morkvarg, il comptait prouver aux anciens qu'il s'était trompé sur lui. Et ainsi regagner son honneur. Et son nom. L'épreuve du jugement, typique de Skellige. Je ne critique pas vos lois. Veuillez respecter les nôtres. Merci pour votre aide. Dois-je comprendre que vous comptez vous rendre au jardin? Il me déplaît de voir des étrangers fouler notre sol sacré. Mais faites donc. La tradition exige des pèlerins qu'ils fassent don de leur sang au pied de l'arbre. Le vœu l'a sûrement fait. Sauf s'il a ajouté l'irrespect envers Freya à sa lâcheté. Ne vous inquiétez pas pour nous. Avec Geralt, nous témoignons toujours aux dieux le respect qu'ils méritent. Les gars comme toi, je les flaire à une lieue. Torgoun, t'as pas besoin d'une si grande maison pour toi tout seul. Elles reviendront pas, tu sais. Viens t'installer chez moi, alors. Je crains que la piste refroidisse. Même si le vœu est mort, on se débrouillera. Et comment? Tu verras bien le moment venu. Toujours aussi aimable. C'est ce qui t'a fait tomber amoureux de moi, n'est-ce pas? Tiens, tiens. Morkvarg, je présume. Quel appétit.
Il a probablement une faim de loup. Bouchée. Juste une bouchée. Un petit morceau. Une miette. Manger. Merde. C'est pas mal. L'air ravi de nous voir. Attends un peu qu'il m'ait vu de plus près. Bien, par quoi on commence? Allons à cet arbre dont les sœurs ont parlé. Tu comptes te saigner pour honorer la déesse? Pas forcément, mais le vœu l'a fait. Nous pourrons le suivre à la trace. Le vœu était ici. Là, ce renfoncement. Il a mis un genou à terre. Et s'est entaillé pour l'offrande. Ces traces de sang, tu les vois? Non. Seule ma beauté est surhumaine, pas mes sens. Je ne suis pas comme toi. C'est pourquoi tu ferais mieux de rester ici. Sans vouloir t'offenser avec cette végétation et cette boue, tu serais comme... Un poids mort? Je cherchais une tournure plus élégante, mais oui, c'est l'idée générale. Entendu. Faisons comme bon te semble. En cas de besoin, je lancerai mes sorts d'ici. Très bien. À plus tard. Prends soin de toi. J'ai besoin de toi pour retrouver Ciri. Allez, c'était une boutade. J'ai besoin de toi tout court. Ça passe mieux ? Ouais, ça passe mieux. Le sang du vœu, en abondance. La piste est claire. Elle devrait me mener à lui. Des traces légères. Le vœu marchait à pas mesurés. Montre-moi ce que t'as dans ta bouche. Pas de morsure. Morgvark ne dévore pas ses victimes. Bizarre. C'est le vol? Non. Celui-ci est là depuis longtemps. Quoi? Je n'entends rien. Approche-toi si tu veux me parler. C'est les traces d'un monstre ne sont pas très aiguisées. Courait à la poursuite de quelque chose. Morgvark en a eu assez de finacé. Il est passé à l'attaque. Le sang du vœu.
Le vol est blessé. Il se met à courir. Le sang du vol. Impossible d'ouvrir la porte. Le vol a dû la bloquer, ou elle est simplement verrouillée. Mieux vaut faire le tour. Ces traces devraient me conduire au vol, ou à son cadavre. Morgvarg ne renonce pas facilement. Beaucoup d'empreintes, récentes et anciennes. Sa tanière n'est pas loin.
Impossible de passer. Je dois descendre. À supposer que j'arrive à ouvrir l'écluse. Le mécanisme a l'air relativement simple. Un levier pour choisir la porte d'écluse, et un autre pour l'actionner. Clé, Ramond. Où est la clé? Tout ce que je possède est dans la salle du chapitre, dans le coffre. Mais la clé, où est la clé? Réponds-moi, Ramond. Flaire, brigand, fils de pète, misérable chien galeux. Je trouverai la clé, avec ou sans toi, pauvre con. Votre mère. J'ai l'eau à la bouche. On peut parler maintenant? Maintenant, oui. Telle est ma malédiction. Mordre, griffer, détruire. Jusqu'à épuisement. Il reste peu de temps avant que le sang ne me quitte et que je revienne. Écoutez-moi. Attentivement. Libérez-moi de cette malédiction. Je vous récompenserai. Alors quoi? Ça ne vous plaît pas d'être un loup-garou? Non, c'est un enfer. Le pire. Ce n'est pas cette prison végétale, mais la faim permanente. Tout ce que je dévore se transforme en cendres. Je ne peux ni manger, ni boire, et pourtant je vis comme un animal en cage. La faim est insupportable. J'en viens à essayer de manger ma propre chair, mais la moindre petite bouchée me brûle la gorge comme de la chaux vive. La faim éternelle. Plutôt classique, mais très efficace. Voilà qui explique pourquoi tous ces cadavres sont encore intacts. Aidez-moi, ou je reviendrai vous mettre en charpie, vous démembrer.
Je vais réfléchir à ce que je peux faire. Réfléchissez et agissez, ou je reviendrai. Je cherche un homme surnommé Le Veul. Il est venu ici pour vous tuer, je crois. Il a... raté son coup, on dirait. Ceux qui viennent ici se présentent rarement. À quoi ressemble-t-il ? Aucune idée. Alors, je ne peux rien pour vous. Il est sans doute déjà mort. Cette conversation commence à m'ennuyer. Et qu'allez-vous faire ? Mon travail de sorceleur.
symbole de Freya. Elle a repoussé. Ça repousse toujours. Il y a presque de quoi être jaloux. Vous voulez entendre une histoire ? Allez-y, je vous écoute. Tes guerriers sont venus. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas me tuer alors. Ils m'ont tendu un piège. Enchaîné, enfermé, ici même. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai rongé ma jambe pour me libérer. À chaque poussée, je hurlais de douleur, je vomissais du sang. Qui eût cru que se ronger la jambe pouvait être douloureux? Vous ne comprenez pas. C'était intolérable. Je brûlais de l'intérieur. Comme si j'avais avalé des charbons ardents. J'ai cru mourir, mais j'ai survécu. Et ensuite, je les ai déchiquetés, réduits en bouillie. J'ai fait un tas de chair. De ces vaillants héros. Vous cherchez à me faire peur ou il y a une morale à votre histoire? La morale, c'est que vous ne pouvez pas me tuer, pas m'arrêter. Rien ne peut me retenir. Libérez-moi de la malédiction. Sinon, je reviendrai encore. Et encore. Comme on se retrouve. Vous pouvez mettre fin à ceci. Libérez-moi. Mangez ça, ça devrait lever la malédiction. J'espère pour vous. Sinon, je vous arrache la tête. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Vous venez de manger votre propre chair. C'est contraire à la malédiction, je crois. Oh, menteur! Fils de pute! Vous m'avez trompé. Vous vouliez lever la malédiction, non? C'est chose faite.
Les pas vont jusqu'au puits. Le voleur a préféré finir noyé plutôt que manger. Merci. Je suis juste sous Yen. Hé ! Tu m'entends ? Oh ! Gérald, tu m'as fait peur. Désolé, ce n'était pas mon intention. J'espère bien. Préviens-moi si tu trouves le vol. Le sang du vol. Une prêtresse de Freya. Aucun signe de violence. Sûrement morte de faim. Depuis longtemps, elle a dû se terrer ici quand Morgvarg a attaqué le jardin. Une clé. Elle pourrait servir. Bon sang. Mort. Et pas d'hier. Yen, je l'ai trouvé. Et ? Et j'ai vu des putréfacteurs plus présentables. Peste. Bon, rassemble ce que tu peux et remonte les morceaux. J'en conclus que tu as un plan. Mais non, j'adore reluquer la viande avariée. On en reparle quand tu seras remonté, d'accord ? Du Yen tout craché. Charmante. Allez, remue-toi, j'ai quelqu'un à te présenter. La putréfaction a démarré, mais les cordes vocales sont intactes. On peut en tirer quelque chose. Mais d'avis qu'il ne sera pas très bavard. Tout le monde peut le devenir, même un cadavre. Il suffit de savoir comment. Je croyais à la nécromancie proscrite. Le sexe hors mariage aussi, mais je ne m'arrête pas à ce genre de sottises. Tu as besoin d'ingrédients pour le sort. Sang de nouveau-né, langue de vierge et œil de salamandre. Et sans le sarcasme, ça donne quoi, je peux savoir ? Je n'ai besoin de rien. Je suis magicienne, pas herboriste de province. Il me faut simplement de l'énergie, énormément d'énergie. Par chance, les lieux sont saturés de magie. Les lieux sont surtout sacrés. Les prêtresses seront furieuses si elles apprennent que tu utilises la magie du jardin pour animer un cadavre. Raison de plus pour agir avant qu'elles aient le temps de se rendre compte. Mettons-nous au travail. Kelaen, Kelaen, Defraen. Kelaen, Kelaen, Davida. Tu le veux, de l'eau fautant. Non ! J'ai un nom ! J'ai un hal ! Tu es mort au combat. Tu as retrouvé... Gérald, pas le temps de réconforter un Maccabée. Une jeune femme, cheveux cendrés, les yeux verts. Qu'est-elle devenue ?
la couvelle. Pour ma maudite. Ça m'est égal. Qu'est-elle devenue? Que faisait-elle ici? Parle. Sous-titrage Société Radio-Canada.